Yop tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais vraiment super bien. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant un mois et demi que je n'ai plus fait de vidéo. Donc la raison c'est simplement que j'ai commandé un nouveau micro. Et même il me fallait prendre un peu de temps enfin je voulais prendre un peu de temps tout simplement pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc cette vidéo ce sera pour vous dire mon contenu prochainement. Donc voilà, déjà le gameplay ici, nous sommes sur la vue de Mummy Rider qui a fait un sacré carnage en première manche de domination hardcore sur Nuketown. Il est à la N94, la N94 pour les Belges. Donc il est à la N94 et je peux vous dire qu'il va faire un carnage. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous dire allez, mes ambitions pour la chaîne YouTube. Donc les prochaines vidéos, il y aura notamment des lives, je pense. Il y aura beaucoup, enfin pas beaucoup de lives, mais il y aura du live. Il y aura encore des gameplays commentés comme ça, avec un sujet de discussion, un débat, je pense. Je vais essayer de m'arranger pour faire des dual commentaries avec des gens, des potes super sympas. Et voilà, je pense que ce sera ça le but de ma chaîne. Donc ce sera des débats et des live fun. J'aimerais quand même rester dans le fun, mais parce que le fun déjà ça fonctionne, et en plus déjà ça fonctionne, et en plus je pense que ça vous fait plaisir. Si comme vous l'entendez, je suis un peu malade, malheureusement. Voilà, je suis malade. Ici je suis en période de vacances 2 semaines. Donc je commente ici, on est lundi, je suis lundi, ouais, on est lundi. Donc je suis malade et j'ai 2 semaines de vacances, donc jusqu'au 20 avril si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis en vacances, je compte vous faire plusieurs vidéos, plusieurs lives peut-être. Ça va rester une ou deux peut-être vidéos semaine. J'espère que ces vidéos elles seront vues par vous, et j'espère que vous les likerez aussi. Et aussi je voulais vous dire, je pense que vous avez vu ou vous avez pas encore vu, c'est ma nouvelle bannière et mon logo qui sont franchement magnifiques, je trouve. Et je voulais remercier Sky DZN, je suis désolé, franchement j'arrive pas à te dire ton pseudo, c'est SkyDZN. De toute façon, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Sachez, si vous voulez qu'il vous fasse une bannière, un logo, etc., il est vraiment pas cher, c'est 2 euros. Et s'il vous plaît, allez chez lui, commandez un truc parce qu'il fait vraiment du très bon boulot. Vous lui demandez tout ce que vous voulez, il le fera. Et aussi Marou 96 ou 96 pour les Français. Donc Marou 96 qui est lui un graphiste connu, notamment il a fait la bannière de Dark Funeral. Donc vraiment un très très bon graphiste. Je les remercie tous les deux, ils ont fait du bon boulot pour ma bannière et mon logo, sachant que ma bannière était faite par SkyDZN, et mon logo qui est un logo concept comme il l'appelle ça. Marou 96. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je n'ai plus rien à dire, et si j'ai quelque chose à dire, je le rajouterai tout simplement. Donc voilà, je voulais vous remercier et j'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos avec toujours autant de allez d'activité sur la chaîne. Donc likez, commentez, franchement commentez. Je vais lire les commentaires, je vais y répondre parce que j'ai pas répondu à certains commentaires, mais je les like pour dire que je les vois, parce que j'ai pas tout le temps le temps. J'ai voilà, j'ai pas que YouTube non plus, j'ai l'école, etc., etc. Donc regardez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir le score de Mummy Rider qui a fait vraiment un très très beau clip. Franchement il m'a épaté, c'est pour ça que je l'ai pris. Je pense même prendre des gameplays de la mamie donc je pense prendre un gameplay de Mamie Fritix bientôt, qui est lui mon meilleur ami IRL, donc et aussi sur la console. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Moi je vais vous laisser ici, j'espère n'avoir rien oublié. Je vous remercie d'être actif comme ça me fait vraiment plaisir. Ah oui, et voilà, il me semblait même que j'avais oublié quelque chose. Je voulais remercier Elmo Ario qui est franchement un gars super,
qui m'a vraiment soutenu. Donc maintenant je vais vous laisser, je vais mettre tout dans la description. Allez, merci les gars, et franchement, likez, commentez, ciao! Toi qui as regardé ma vidéo jusqu'au bout, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le monsieur avec le pouce, et tu peux regarder mes deux dernières vidéos si tu les as pas encore vues.